Pour moi, si vous voulez refaire parce que vous allez avoir des soucis, si. My glasses, my phone, my life. Yes, because no. You're right. No, but I speak with Thomas. La Grèce était sympa, la Grèce. Belle course. Ouais.
Comment on va? Ça va? Salut Alexis, ça va? Faut courir. En plus, on aurait une victoire. C'est pas possible d'enlever ça. Non? Non? Dans Team UCI, ça. Pas pu aller rouler sur le circuit du coup. J'ai ouvert. Et alors, par contre, du coup, votre maillot, c'est ça? Ok. Ouais, mais c'est sympa. Enfin, il claque bien. Ah oui, mais c'est parce que quand on a. C'est cool. Bien tactique. C'est complètement pas dans la bonne trajectoire. Ouais, bon là même, là je passe par là.
pointe là quoi. Vraiment au bord du coup. Ouais, quelque part. Voilà. Ok. Moi j'ai l'impression que t'es arrivé trop vite. Et... Voilà, 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté des ostéos. Seulement, vous avez la barre énergétique BAM qui vous attend aussi pour vous expliquer tous les petits secrets de fabrication. Et de... de cette première journée que nous passons ensemble. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Et pour l'instant, avant de passer au format de cross-country éliminator, pour votre échauffement, on va aussi pouvoir vous mettre en valeur et vous allez pouvoir venir. Et les Coupes du Monde, bien sûr, les Champions du Monde et le Salon des Jeux Olympiques, et bien chaque jour, il faut avoir au moins 60 points. UCI, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le chamboulé. Cette hiérarchie établie par le classement. On est déjà couvert fin février en Grèce, d'autres en Espagne, en Catalogne, pour être plus précis, national. Et puis un petit peu partout en Europe et sur les autres. Okay, donc le principe étant de faire tourner les compétitions. Le premier tour va être chronométré, les autres aussi bien entendu, mais le premier tour en ce qui concerne les participantes de ce ligne ici face à Sébastien. Erin Lézieux, la championne de Belgique, les participantes qui viennent se positionner ici, ça va être le top 5. Le leader pour le call-up, with the number 5. Plus sur le monde, que de nouvelles également de nombreux victoires à toute la coupe au niveau international. On va voir apparaître dans quelques secondes. You go from the start line. Sorry. Tila, c'est Tila. Les applaudissements du public de Marseille Lumini. On va continuer le classement du festival. Vous saluez Pauline Entrevaux.
Olympique, de belles performances également sur le format court du cross-country court avec notamment une belle 5e place. Une à une, lorsque ce sont présentés devant vous, s'il vous plaît, j'aimerais et qu'il y ait vraiment pour l'ensemble la vie compétitrice, une véritable ovation. Allez-y, gardez le rythme, même dans les 30 dernières secondes, 30 secondes avant le départ, 26 secondes tout ça. Régalez-vous les filles. 15 secondes pour ça, 15 secondes pour le départ. Allez, la fin du premier tour dans quelques instants. La première ligne. Voilà, le passage. Ici, avec votre soutien, les applaudissements. Alors, c'est bien la championne de piste qui donne le tempo. Voilà le compte. Nous avons Pauline Ferrand très beau. Et puis ensuite, le conseil. Une italienne présente ici ce matin également aux avant-postes et tous les passages. Tous de cette compétition l'année dernière, Laura Fuger qui donnait ce rythme avec 6 concurrentes à côté aux avant-postes sur ce premier passage ici sur la ligne. Là, c'est Lorena Lecomte qui a pris les choses en main vers nous. Et il restera lorsque l'on va passer la ligne. Il restera donc 5 tours à participer à cette épreuve. Allez, deuxième passage sur la ligne, toujours avec le soutien du public. Ici, on a le premier et nous avons ensuite Sina Frey. Donneuse de rythme de ce petit groupe. Et puis ensuite avec le numéro 21, nous avons. 25 comptes de prise, voir si la procédure est pour l'instant. On a des exigences avec les participants, on est plus dans un format de cours d'attente, cours d'observation, cours tactique. Et c'est moins des exigences que cours d'attente, cours tactique. Et toujours, voilà, ça me va bien. 12, 2, 5, 4, 1, 3, 55, 9, 8, 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 sur la ligne, on va retrouver la barre de sous la ligne. N'hésitez pas à partager votre soutien vis-à-vis de ces compétitrices. Allez, c'est maintenant qu'il faut donner de la voix, s'il vous plaît, le public. Ça se tient un petit peu devant la position. Et puis, Noémie Badina, en 9e position, la 10e place avec le groupe Anaël Henry pour le team. Et nous procéderons au top 3 pour les messieurs et au top 3 pour les dames. Alors, toujours le passage dans le sous-bois à la main juste au-dessus, qui s'est un petit peu parsemé, qui s'est un petit peu réduit
Et on a encore la deuxième position. La flamme, dernier tour, avec le tempi à 8, maintenant à 1 tour. On va arriver. Je ne comprends pas du style, il y aura au total. Un dernier tour également, dans les deux choses, se sont dégantées sur l'intuition de nos deux françaises. La troisième place, la race de la deuxième place, la neuvième, la cinquième position avec le numéro 9, le numéro 9. Le top 10 est précisément la 9e position ici. Et le passage à Camille pour le film 7 ans ici. Et le passage aura la vie. Ça, ils arrivent. Allez, Bichon. Le bruit des hunters s'étouffe, je veux dire que les coureurs en droite, 14e du classement mondial d'automobile sur l'épreuve hors catégorie, simple, champion d'Europe, champion de France, également vice-champion du monde. Allez, les petits, vous devez appeler devant vous puisque nous sommes sur une année olympique. 10e des derniers Jeux Olympiques, 5e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. J'aimerais vous entendre applaudir, c'est Victor Korensky. Le 3e coureur mieux placé sur ce classement cet hiver. Il a brillé en cyclocross en étant champion d'Europe et également vice-champion de France de cross-country court, 3e du classement de la Coupe et 2e du classement de la Coupe du Monde de cross-country court et 2e du classement de la Coupe du Monde de cross-country. Les Jeux Olympiques lui aussi brille une sélection pour Paris 2024, ancien champion du monde de cross-country. Dans 2 minutes, you start in 2 minutes. Pour faire une course de haut niveau, j'aimerais, s'il vous plaît, le public de Marseille Lumini vous entendre. Et Maxime Bouy. On start, s'il vous plaît, tout le monde, les mains en l'air pour taper dans les mains et encourager les concurrents. Allez, tout le monde. Oui. Continuez à taper dans les mains pour un départ dans 15 secondes, 15 secondes tout ça. Le verdict de ce premier tour va avoir. Le temps. 15. Et. Donc, vraiment pas, t'as les prendre.
Fin du deuxième tour. Il y a le frappant, le meilleur. Il y a le rythme. Il y a le pour la deuxième position. 39. Allez, Yann Bossy. 51, 33, 40, 31, 35, 38, 49. Il y a le rythme. Il y a le rythme. Il y a le rythme. 72, 53, 56. Et encore vous êtes très compact ici au niveau des passages. 76, 75, 36. Alors autour des coins dans le sous-bord, on va pouvoir les voir passer et constater que ça se traîne un petit peu aussi au niveau du passage du GP. Le troisième passage qui donne le rythme. Et puis derrière le numéro 11. Troisième tour. 51, 49. Et ils sont tous vite encore à être contact pour essayer de revenir. Le numéro 51 pour le team supérieur Raphaël Schott. 53. Les hommes. Du passage sur la ligne de Boulanger avec le 19e Yann Chaptal. Donc il marque le champion de France, toujours dans le coup pour. Et ensuite, sous l'impulsion de Lorena Lecomte et de Prédicteur. Je vais vous laisser sur le Vincent Aléatoki qui donne le rythme sur le passage sur le numéro 4. Maximilian Freudet, police du groupe BTS. Allez, il y a deux niveaux, approche-toi là. Trois tours. 51, 35, 39, 28, 19, 53, 72, 40. Hugo Boulanger pour le team Vosges 4ème, on a la 38ème position. Voilà, Hugo Boulanger. Excellent également, Cyclocross cet hiver. 4, 12, 1, 5, 4, 2, 1. Et toujours avec un petit peu le tempo. 9. Ensuite, avec le numéro 12, Mathis Adaro pour le tour, messieurs. En effet, deux tours. 33, pour vous. 29, deux tours. Et... Non, pardon. 35, 51, 28, 19, 72, 53. Ricky, qui est pour 40, le Japon et le Tunis. 45, 60. Et toujours des encouragements avec le. De tour également pour commencer pour le film de ces 7 côtés, le TTIC. Bien sûr, c'est bon. Non, ça t'entend pas du tout. Voilà. Le verdict. Allez, Jordan, allez. On va le tour avec Jean-Baptiste. Du circuit du cross country de la victoire. Ici, la victoire avec Victor Koretsky. La deuxième position, Adrien Bossy. La troisième position, Mathis Azzaro. Quatrième, Jordan Sarrou. Cinquième position, Maximilian Freudot. Le triplé français et Victor Koretsky. Une nouvelle victoire cette saison en Italie, en Catalogne également. La victoire, donc une nouvelle victoire pour le pilote. She knows.
l'année dernière, troisième de cette manche d'ouverture de la Coupe de France cross-country court ici à Aix-Marseille-Bemini, Laura Steger de third place. Steger à the third place. Et quelques applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît. Alors Laura, vous n'allez pas lui refuser quand même. Merci pour elle. La deuxième position, la championne du monde dans de très nombreuses disciplines. Je vous les ai énumérées tout à l'heure. C'est ce maillot de championne du monde qu'elle portait sur les épaules. Pauline Ferrand-Prévot. Au milieu, celle qui s'impose, elle a justifié en quelque sorte son statut de favorite puisqu'elle était très... au niveau international, de très nombreuses victoires en Coupe du Monde. L'année dernière, elle avait remporté une Coupe de France de cross-country court. C'était à Lons-le-Saunier. Et bien cette année, sa victoire, c'est ici, à Marseille. Et vous allez pouvoir ovationner pour le Canyon Collectif Cross-Country, Loana Lecomte. La victoire pour Loana Lecomte et le trophée et surtout la fameuse barre athlétique artisanale de Marseille, la BAM, que vous pouvez déguster tout au long du week-end. Allez applaudir à nouveau s'il vous plaît très fort les trois premières, Loana Lecomte, Pauline Ferrand-Prévot, Laura Steger. Sing Team, la troisième place, vous applaudissez bien fort, Mathis Anzaro. Mathis Anzaro, cette troisième position, le trophée qui va bien, et puis la BAM qui va bien également. La deuxième position dans ce cross-country court, il porte les couleurs du monde de cross-country court, et prend cette deuxième place ici pour cette manche d'ouverture de la Coupe de France VTT SKF, Adrien Boichy. Dernière, il nous avait émerveillé de par ses performances sur le circuit international. D'ailleurs, c'est le vice-champion du monde de la discipline de cross-country court qui s'impose ici sur le domaine universitaire Aix-Marseille Lumini pour le team Specialized Factory Racing, Victor Koretsky. Barre énergétique. Et si vous voulez en savoir plus, messieurs, le stand est juste au-dessus, en face. Vous avez devant vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Victor Koretsky, Adrien Boichy, Mathis Anzaro. J'aimerais vraiment vous entendre les applaudir très, très, très fort. Un podium de très haut niveau international pour ses concurrents.